Hello les fans de Game of Thrones! Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette vidéo est potentiellement spoilante concernant l'avenir de plusieurs personnages dans la saison 7. Si vous souhaitez vous garder un brin de surprise, je vous conseille de passer votre chemin. C'est bon, on peut y aller? Allez go, c'est parti! Il y a une semaine, une photo réunissant les 4 Stark était postée sur le net. Beaucoup de fans se sont creusés les méninges pour essayer de décortiquer les indices laissés sur cette photo. Mis à part annoncer une possible réunion entre les 4 Stark dans la série, la photo reste assez avare en indices. Cependant, un détail retient notre attention, et pour cela, je vous invite à vous pencher sur Arya. La jeune Stark apparaît dans les bras de son cousin Jon. Mais le détail qui attire le plus l'attention est au niveau de sa ceinture. On remarque tout de suite Aiguille ou Needle, son épée offerte par Jon et dont la jeune louve ne se sépare plus. Mais quelle est donc la deuxième ? Une couverture du magazine Entertainment dédiée à Arya nous permet de mieux observer cette deuxième épée. Les membres du forum Game of Thrones de Reddit sont remontés jusqu'au début de la série pour trouver l'origine de cette épée, qui est en réalité une dague. Pour cela, il faut se remémorer l'épisode 2 de la saison 1, où un assassin tente de tuer Bran Stark, alors dans le coma. Le combat est acharné entre l'assassin et Catelyn Stark, mais Summer, ou Été, le loup de Bran, finit par tuer ce mystérieux assaillant. Si l'on compare les deux photos, on peut donc affirmer que c'est bien la dague de l'assassin. Mais où est donc passée cette dague par la suite? Juste après l'épisode de l'assassin, Catelyn chevauche à la capitale pour déterminer les origines de cette dague. Alors qu'elle vient juste d'arriver, l'information qu'elle cherche lui sera apportée par deux personnes. Tout d'abord Varys, qui affirme que cette dague est en acier valérien, mais ne sait pas à qui elle appartient. Et c'est justement Peter Baelish, aka Littlefinger, qui apporte cette information, puisqu'il affirme que cette dague est unique dans les 7 royaumes et qu'elle lui appartient. Il précise cependant qu'il a perdu cette dague lors d'un pari avec Tyrion Lannister. Depuis cet épisode, la dague n'est plus apparue, même si l'on suppose que Littlefinger a récupéré cette dague par la suite. La présence de cette dague à la ceinture d'Arya pose beaucoup de questions. Comment Arya s'est-elle emparée de cette dague? L'a-t-elle trouvée par hasard? A-t-elle assassiné Littlefinger par simple vengeance ou sur ordre de sa sœur Sansa? Ou est-ce tout simplement une coïncidence? Je vous laisse trancher entre ces questions dans les commentaires si vous avez une idée sur ces nombreuses interrogations. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!